Reprise encore de l'hymne national du Bénin et de l'hymne de l'Union progressiste, le plus grand parti politique du pays, qu'a démarré la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Adjara. Un moment fort émouvant, suivi du mot de bienvenue de la coordonnatrice de la Ligue des femmes UP d'Adjara, Mariam Chitou, qui a remercié les initiateurs de cette campagne intensive en faveur de la femme dans le cadre de la GIF 2022. Bruno Amoussou, président du parti, Germain Sourou Envoyegbe, maire de la commune d'Adjara et en même temps coordonnateur communal UP, et Christelle Segbe Adossi Rondonoubo, la directrice administrative nationale de l'Union progressiste, ces personnalités ont été encensées pour les multiples actions qu'elles entreprennent afin de contribuer à l'autonomisation des femmes. Les nombreux projets et programmes qu'elles ont appuyés parlent pour elles. La coordonnatrice a aussi réitéré le soutien des femmes d'Adjara au chef de l'État, Patrice Talon, pour les réalisations majeures que mène le régime de la rupture pour l'épanouissement des femmes. Tout en évoquant les difficultés en lien avec la cherté de la vie, Mariam Chitou a invité les autorités politico-administratives à œuvrer davantage pour que les femmes puissent gagner en indépendance. Tout n'est pas rose, comme les foulards que nous avons noués très joliment. C'est pour cela que nous appelons à plus d'implication de nos autorités face aux maux qui nous minent. Et le mal en bien, vous en conviendrez avec moi, est la flambée vertigineuse des produits de première nécessité. À Adjara, nous avons encore beaucoup de terres arables. Nous pouvons être le grenier du sud du Bénin. Les arrondissements d'Aglogbé, de Mené-Djonou et de Malanwi sont le poumon vert de notre commune. Nos agricultrices et maraîchères sont prêtes à retrousser les manches avec leurs confrères qui sont des hommes. Elles veulent des aides financières au démarrage et des matériels agricoles modernes afin de booster leur productivité. Quant à nos sœurs qui vivent du commerce, certaines sont toujours dans l'attente du microcrédit à l'AFIA. Nous demandons un traitement diligent de leur dossier. De nombreuses femmes d'Adjara sont diplômées et n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active. Nous voulons des solutions pour elles. Au Père de la Nation, nous demandons la mise en œuvre effective des décisions prises lors du Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022 qui viennent soulager les peines de nos familles face à la cherté des produits de grande consommation. Pour finir, nous voulons être là où les décisions se prennent, Monsieur le Président. Car là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de lumière. Tout est fade. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Nous sommes bien plus nombreuses qu'eux. Nadia Gertrude Dossa, chef du 2e arrondissement de Porto-Novo, représentant la directrice administrative nationale de l'Union progressiste empêchée, a reconnu le mérite des femmes d'Adjara pour leur engagement à divers niveaux et pour tous les efforts qu'elles ne cessent de consentir librement pour le développement de leur localité. Selon ses mots, le parti UP a à cœur de promouvoir avec une saine ambition l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames, vous êtes des maillons forts au sein de vos localités dans le processus pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Vous le savez, la promotion de l'égalité entre les sexes figure pleinement dans la réalisation des objectifs du développement de notre parti. Au vrai, nous avons à cœur de promouvoir avec une saine ambition l'égalité entre les femmes et les hommes
pour que nos femmes participent entièrement au développement de notre cher pays, le Bénin. Femmes, nous représentons aujourd'hui une chaîne incontournable pour le développement. De ce fait, une fois l'an est insuffisant pour célébrer la femme dans notre pays et dans notre communauté. C'est pourquoi je nous exhorte à faire des efforts au quotidien dans nos regroupements locaux de femmes pour faire face à nos maux, à nos ambitions et à nos espoirs. Cette campagne a été initiée selon le maire de la commune d'Adjara, Germain Sourouan-Voegbe, pour encourager les femmes à rester plus unies et déterminées, se focalisant sur le thème retenu cette année au plan international, égalité aujourd'hui pour un avenir durable. La première autorité de la cité des Tambours a mis en lumière les valeurs telles que l'amour, la fraternité, la complémentarité, lesquelles valeurs renforcent selon lui l'égalité. Pour gagner le pari du développement inclusif et durable, Germain Sourouan-Voegbe invite les hommes politiques à faire confiance aux femmes. Leur engagement et leur participation active dans la concrétisation des projets sont gages d'un développement durable. En politique, ce sera donc suicidaire pour les partis politiques et les nations de ne pas associer les femmes à la conquête du pouvoir et à la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi l'Union progressiste, fidèle à ses engagements, ses idéaux et ses défis, s'identifie à cet appel de la communauté internationale sur l'égalité des sexes entre l'homme et la femme. C'est en faisant de la femme un acteur clé et indissociable que nous gagnerons le pari de développement inclusif et durable. Nous célébrons la femme progressiste à quelques mois des élections législatives au Bénin. C'est un challenge politique qui déchaîne les passions. Visiblement dans toutes les circonscriptions électorales, également dans toutes les communes. Adjara est aussi en état de mobilisation et de veille pour offrir à l'Union progressiste une victoire sans appel. Les femmes m'ont rassuré, comme d'habitude, que le baobab restera toujours debout, inébranlable, plus fort et plus robuste. Je me fais le porte-parole pour lancer un appel à la coordination départementale et au bureau politique national afin que les femmes d'Adjara prennent une part active à ces élections qui pointent à l'horizon. La femme de la commune d'Adjara est aussi capable d'aller haut au front. La femme progressiste d'Adjara a des capacités extraordinaires pour faire valablement le job. Il suffit de lui faire confiance. Elle connaît le job. Elle est donc prête pour 2023. La préoccupation en rapport avec les causes du choc inflationniste observé sur les produits de première nécessité a été abordée à travers une communication. Des mesures de résilience ont été proposées aux femmes pour y faire face. On a constaté qu'aujourd'hui, les ménages se plaignent parce que les produits de grande consommation sont excessivement chers et le pouvoir d'achat est très limité. Du coup, il y a de découragement dans le rang du militantisme au sein du parti, en général et à Adjara en particulier. Donc selon nous, on a essayé d'évaluer les causes. En dehors des changements climatiques, il y a la cupidité de certains commerçants et d'autres causes. Comme conséquence, ce sont les plaintes que nous connaissons tous. Mais dans l'approche de solutions, l'État n'est pas resté insensible aux cris de cœur de femmes surtout et de la population en général. Et on a constaté que des prix ont été fixés. Donc désormais, nous avons un tableau de prix qu'il faut respecter. D'accord, mais nous avons demandé aux dames qui sont déjà des commerçantes
de respecter rigoureusement cette décision gouvernementale pour ne pas tomber dans le piège que constituent les entêtements qu'on ôte parfois. La célébration, quoi qu'en différé de la Journée internationale des droits des femmes dans la commune d'Adjara, par le plus grand parti politique du Bénin, a permis aux femmes de prendre conscience de ce qu'elles sont un maillon essentiel dans le processus de développement durable de leur nation.